Bienvenue à Vie Rurale, une émission qui vous plonge au cœur de la vie des populations en milieu rural. Pour ce numéro, nous sommes à Ténado. Ténado, cette commune rurale de la province du Sangué, dans la région du centre-ouest qui regroupe 18 villages. Pour découvrir la vie des hommes et des femmes de Ténado, nous sommes avec M. Bagira Basilou. M. Bagira, qu'est-ce que vous nous proposez de découvrir à Ténado? Ténado est une commune qui regorge de nombreuses potentialités. Il y a le poulet Sumbala qui est un mets succulent de la commune, voilà, qui est convoité et apprécié par les populations même hors de la commune, voire même hors du pays, le Burkina Faso. Sur le plan agricole, après les pluies, les gens s'adonnent à la marchéculture. On produit les oignons, les choux, la pomme de terre et bien d'autres spéculations. Nous sommes dans le périmètre de culture maraîchère de Bazouna Bado à Koulkouldi, l'un des 18 villages de la commune de Ténado. Ici, c'est la solidarité dans le travail. Alors, sous le soleil généreux du matin, des personnes de tout âge se rassemblent pour une séance de travail collectif pour le repiquage des oignons. Élève en classe de seconde C, Silas Bako profite de ses temps libres pour s'adonner au jardinage. Dans le lycée, souvent, comme mercredi, jeudi, les élèves n'ont pas le cours le soir. Donc si je viens, je fais ça pour aider mes parents. Parce que c'est dans ça qu'on perd ma scolarité. Si je ne fais pas ça, on risque de me chasser à l'école à cause de la scolarité. À regarder les producteurs le faire. Ils le font avec beaucoup de passion et je l'ai essayé et c'est vraiment passionnant. En ce mois de novembre, pendant que les producteurs maraîchers sont encore au stade de repiquage des pépinières, les producteurs vivriers, eux, sont en phase de récolte. La tonne paillante pour un banc à hectare son lait, la hide hectare yiv, la pousse ou quoi. C'est dans cette ambiance que se passe la récolte du mil. Vous voyez qu'ils sont en train de chanter femmes comme hommes. Ils sont en train de faire la récolte, mais en chantant. Le marché du village est l'un des lieux d'écoulement des différentes productions. Il est à environ 200 mètres du périmètre maraîcher. Voilà au marché de Koukouldi. Monsieur Bagira, quelle est la particularité de ce marché? La particularité du marché de Koukouldi est que c'est l'un des villages ou l'un des marchés où on trouve assez de fruits. Ici également, nous avons les feuilles des oignons, de l'aubergine. On y vend de la tomate, des concombres et bien d'autres choses. Surtout d'ici le soir, vous verrez que le marché sera plus bruyant qu'à cette heure-là. Si vous avez l'occasion d'y venir un dimanche, couramment appelé 21 de Koukouldi, vous verrez un marché exceptionnel par rapport à celui d'aujourd'hui. Je vends les condiments, les légumes, exemple comme les oseilles, les feuilles d'aubergine locale, les tomates, les patates. Ça nous donne des produits. On paye les enfants pour que demain ils puissent développer au Burkina Faso. L'entretien était très bien ça. On a bien arrosé on a au moins des feuilles très très jolies. Avant de poursuivre la découverte du potentiel agricole de la commune, visitons quelques endroits de divertissement et de détente fréquentés par la population. À cet effet, nous nous rendons dans un autre village de la commune nommé
Thiogo, après les différents travaux du jour, les jeunes, tout comme les personnes d'âge avancé, se retrouvent souvent dans les grains de thé ou chez la dolotière. Je suis cultivateur, éleveur. Alors je fais le jardin même. Quand j'ai fini mon travail, alors je viens me reposer sur le dolotière pour me rafraîchir un peu quoi. Et puis échanger avec mes amis. Je suis un buveur, mais je ne consomme pas trop là. Parce que si tu te donnes aux boissons même, ce n'est pas bon. Je consomme un peu pour pouvoir écouter les informations du village et puis du pays. Nous sommes chez la Dolotière et je suis en train de boire du dolomiel. Et il faut savoir qu'ici, c'est un lieu de distraction où après les champs ou après leurs activités, les populations se retrouvent pour se distraire autour du dolo, du chapalo, comme ce que certaines personnes le disent, ou le dolomiel. Donc il y a deux types de boissons qu'on peut retrouver ici et c'est très très délicieux. La préparation du dolo, cette boisson locale faite à base de mil, suit un processus en plusieurs étapes. La cuisson se déroule sur deux jours et le dolo est consommé à partir du troisième jour. Ici, nous sommes dans un lieu de rassemblement où jeunes et moins jeunes du village se retrouvent fréquemment pour partager des nouvelles locales. Cette fois-ci, l'ambiance ne se déroule pas autour de la calebasse de bière de mil, mais autour d'une tasse de thé propice à des discussions animées sur les défis des jeunes du village. Donc il y a 500 ans la tombe est sans horda. Ne ton namane, tu oum taba zin ton et taba souko. Tu ra ouer tabi. Donc il y a 500 ans la tombe est bien très bon. Je vais aller commencer yane. Là c'est le moa. Nan kili kiki nan kiki yane. Nan kili bulataba et ouais mazé. Le poulet flambé au Sumbala, voilà une spécialité culinaire de renom du village. Il est souvent servi accompagné de thau, un mets obtenu à partir de la pâte de céréales. Le poulet de Tenado, là, il n'y a pas son dé. Dans Burkina Faso, j'ai quitté Ouagadougou pour venir manger poulet de Tenado. J'ai fait ma décoration, j'ai pris ça Sumbala, j'allais faire ça. Là. Les gens, tout le monde me poursuit pour avoir ce Sumbala là. L'idée du poulet au Sumbala, c'est une idée qui est née depuis mon école primaire. J'étais avec ma grand-mère et quand je revenais de l'école, épilait le Sumbala avec un peu de piment. On mangeait le tout rapidement pour repartir à l'école. J'ai dit, bon, comme on mangeait à notre enfance, c'était bon là. Et si on essayait de joindre ça un peu à la viande du poulet,
pour voir ce que ça va donner. C'est en ce sens qu'on a fait ça, on a vu que ça marche et beaucoup de gens sont attirés par ça. Surtout quand on parle du poulet Sombala Auto et même le Gurunsi, même ça fait partie de ses origines. C'est le Gurunsi des natifs, il faut lui donner un morceau de viande, même si la viande là, elle est petite. S'il a sérieusement faim, il peut terminer un gros plat de tout. Donc c'est un peu dans nos traditions que j'ai soutiré ça. À Ténado, l'agriculture et l'élevage constituent les principales activités de la population. Notre guide du jour, Basilou Bagira, en plus d'être enseignant, s'est aussi investi dans l'élevage de la volaille. Sa ferme est à plusieurs kilomètres du village. J'ai alors pris place à l'arrière d'une moto, bravant chaque secousse à destination de la ferme. Dans sa ferme avicole, Basilou Bagira accueille des jeunes en quête d'apprentissage. Un jeune qui n'a rien à faire, il devient oisif. Voilà, il peut s'adonner à l'orpaillage, au voile. La vision, c'est de travailler, voilà, à mettre ces jeunes-là dans les conditions, les former. La fonction publique recrute combien? Donc, il faut donner de l'emploi aux jeunes. Et c'est ma vision comme ça. Vous voyez ces jeunes qui sont là, tout le temps, ils sont dans la ferme pour m'aider. Il y a d'autres qui ont émis même l'idée de venir se former. Les jeunes sont intéressés. J'allais noter que même au-delà de ces villages, je forme les jeunes. J'ai pu former au moins 100 personnes du mois de septembre au mois d'octobre. Il a permis de me former et lorsque je vais m'installer, je puisse faire le mieux aussi pour moi-même. Je le remercie pour voilà, qu'il arrive aussi à former beaucoup de jeunes aussi, comme moi aussi, dans la ferme. Nous sommes à la fin de l'émission et nous espérons que vous avez découvert plein de choses avec nous. À bientôt pour un autre numéro.